Planète Joey. Hey, mon minou, c'est à toi de jouer. Ça fait des heures qu'il joue. Joey commence à saisir les principes. Si peu d'incertitude qu'il y ait la mécanique quantique. Mais Guy est un véritable expert. Allons-y, Guy. Battons-nous en duel. Tu vois, chaque carte... Bon micœur. Ça suffit. Tu vois, chaque carte a un nombre de points d'attaque et de points de défense, et de points d'amitié et de points de difficulté. Le premier joueur à venir à bout des points marqués par le grand-père de Yugi remporte le duel. Pas mal comme mise en jeu, tu trouves pas, Yugi? Je ne sais pas. Quoi? Nous nous occuperons de ton grand-père. J'ai simplement de meilleures cartes. Mon grand-père tient un magasin de tatouage. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller, alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai pas la moindre idée. Quoi? Mon grand-père tient un magasin de sperme. T'as ton propre grand-père, perverse. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller alors? D'accord. Peut-être même que mon grand-père acceptera de nous montrer. Grand-père, pourrais-tu montrer à mes amis la carte commune que tu possèdes? Regardez, c'est le dragon bleu, le plus faible de tous les monstres. Non, je pensais pas à cette carte. Pouvez-vous me montrer des simples. Bonjour, puis-je vous aider? Ça ne vous regarde pas. C'est Toba, Kaiba. Tu veux dire Kaiba? Oui, c'est ça. Je suis le duelliste classé numéro 600 dans ce pays et le grand favori du prochain champignon. Oh, tu me fais bander. Du calme, Joey. Bon, assez perdu de temps. Ce magasin ventile des... ventile d'acteurs. Non. Ce magasin ventile des pommes. Non. Ce magasin ventile des porte-clés. Non. Ce magasin ventile du pâté. Tout à fait. Est-ce possible? Non. Écoutez-moi, vieil homme, espèce d'enfoiré. Espèce de caca. Espèce de con. Espèce de paresseux. Espèce de tronc du cul. Stupide. Oh, grand-père. Bon, assez perdu de temps. Ce magasin vend-il des cartes lavables? Écoutez-moi, vieil homme, changez vos draps. Merci. Donnez-moi votre prix, je peux payer n'importe quel montant. 100. Non. Cette carte a plus de valeur pour moi que mon petit-fils, Yugi. Tu réagirais de la même façon s'il s'agissait d'une carte commune, pas vrai, grand-père? Tout à fait. Voyez-vous, cette carte tient une place pas particulière dans mon cœur. Ça suffit. Alors, je la chéris autant que je chéris la chérie qui me l'a chérie. Il est donc osmense. J'ai assez écouté vos stupidités. Ce jeune Kaiba n'a rien compris. Je vais lui donner une bonne leçon. Il mériterait une bonne leçon. Grand-père! 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 Pourquoi ça sent le vieil homme? C'est mon grand-père. Kaiba! Tu devrais avoir honte de toi! Et regardez le sympathique trophée que j'ai gagné. Pas mal du tout. Yugi, j'ai échoué. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh, tiens, prends ça. J'ai constitué ce paquet de cartes moi-même. J'y ai mis toutes mes cartes. Personne ne pourrait gagner avec ça. Ton jeu ne contient que des cartes monstres, grand-père. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Mais c'est pas comme ça que le jeu fonctionne. Yugi, je t'en prie, prends-les. Prends mes cartes et apprends mes cartes et apprends mes cartes et apprends-lui le respect. Apprends à Kaiba à respecter les femmes. Mais grand-père, c'est tout, des putes. Avec une attitude pareille, je doute que tu fasses du sexe. D'accord, grand-père, je vais le faire. Les systèmes virtuels sont prêts. J'ai dessiné cette arène virtuelle moi-même. Pas mal du tout. Débutons la partie. Machumalaté soumé, Yugi. Je t'en prie, c'est à ton tour, Kaiba. J'en appelle au dragon blanc aux yeux bleus. Je la combine avec la carte que voici. Elle va multiplier l'attaque de mon monstre par 1400. Il est très fort. Tire toutes les cartes que tu veux. Oh, à moi de jouer maintenant. Exodia le maudit. Ah, tu as réussi. Tu as gagné, Yugi. Quand on met tout son cœur dans le jeu, alors rien n'est impossible. Yugi a gagné. Monsieur Pegasus, Seto Kaiba, notre champion incontesté, vient d'être battu en duel par quelqu'un portant le nom de Yuto par porte-bacante et Pegri Gamus et Chouel. Quel nom Yuto par Zunon Batetri?